Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. On nous annonce le décès de Madame Tounassi Blanche, l'épouse de pasteur Marcelo Tounassi. Et selon certaines sources, on nous dit qu'elle est décédée de suite d'une crise cardiaque, ayant laissé 4 enfants à son mari, le pasteur Marcelo. Je vais vous faire écouter le pasteur Makoso. Vous savez que Makoso a traversé aussi ces moments difficiles. Il est mieux placé pour nous dire ce qu'on ressent quand on perd une femme qu'on aime, une femme chère. Mais avant de vous faire écouter Makoso, il a évoqué une question que je me suis posée sur ma page Franco Le Mignon aujourd'hui, à savoir: pourquoi les femmes des pasteurs célèbres décèdent très, très vite aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui et trop tôt? Il est revenu à cette question. Je ne sais pas s'il a lu ça sur ma page avant de répondre, parce que j'ai fait le post avant sa sortie. Vous allez écouter ce qu'il va nous dire. Écoutons attentivement le pasteur Makoso. En passant, maman Blanche, paix à ton âme et mes sincères condoléances à la famille attristée. Écoutons le général Camille Makoso. L'information est vraie. C'est-à-dire, je suis assis, mais c'est comme si dans mon cœur, c'est comme s'il y a une boule qui est dans mon cœur qui ne sait pas comment ça va sortir. Une boule. Parce que ça te rappelle tout le traumatisme que toi-même tu as vécu. Et dans ce genre d'épreuves, ce qui est le plus difficile, c'est comment tu vas regarder tes enfants. C'est la chose la plus pénible. Comment tu vas regarder tes enfants pour dire à tes enfants que Dieu a pris votre maman. C'est la chose la plus difficile. Parce que tes enfants disent que tu es un homme de Dieu. Donc comment se fait-il que Dieu ne t'a pas prévenu que leur maman doit partir? Quel est le Dieu que tu sais? Et puis n'a pas été capable de te dire que maman doit partir. Ou bien tu n'as pas été capable de prier pour que ça n'arrive pas. Ou bien tu n'as pas été capable de prier pour que maman ressuscite. C'est dur. C'est dur. Il faut être achevé. Même Jésus a pleuré quand il était face à la situation de Lazare. Même Jésus a pleuré. C'est très dur. Tout le Congo est en train de pleurer. Et puis cette femme, et ce qui encore est bizarre, c'est que dans ces temps-ci, tu ne sais pas pourquoi, ce sont les femmes de pasteurs qui partent en premier. Tu ne sais pas pourquoi. Ça, c'est encore quelque chose de très douloureux. Dans ces temps-ci, les pasteurs connus, c'est leurs femmes qui partent en premier. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais je vais vous expliquer beaucoup de choses. Partagez le direct, mettez les cœurs. Mais parce que je suis passé par cela et je sais ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Même pas dans les jours, dans les heures qui viennent. Je sais ce qui va commencer. C'est pour ça que je vous demande de mettre les cœurs, de partager le direct. Pour que ce que je vais dire là, quand ça va commencer à arriver, vous puissiez dire, Makoso nous a dit. Et qui est Makoso? Il est celui aussi qui a perdu sa femme et le monde entier a été choqué. J'ai reçu les condoléances de tout le monde. Que ce soit des pasteurs Marcelo, des pasteurs Ivan. Le révérend Mohamed Sanogo a eu à se déplacer pour venir jusqu'à chez moi. Pour me dire Yako. Parce qu'il disait, on peut toi te reprocher tout Makoso. Mais de la manière dont tu as aimé ta femme et tout le monde a vu comment tu as aimé ta femme là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre le soin de te reprocher ça. Aujourd'hui, on voit que ce même amour là, tu es en train de donner ça à tes enfants. Perdre sa femme. C'est pour ça que j'ai dit aux hommes qui sont mariés. Les hommes qui ont la chance d'être mariés aujourd'hui. Là, si vous ne prenez pas conscience, surtout les pasteurs qui sont mariés, qui prennent tout le temps de s'occuper des fidèles, mais qui ne s'occupent pas de leur femme. Faites-moi confiance. C'est le jour où elle va partir. C'est là où vous allez voir l'ingratitude de ceux qu'on appelle les fidèles. Les fidèles ne vous aiment pas. Les fidèles sont là parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir quelque chose de vous. C'est la prière, c'est votre onction. Mais le jour où vous allez perdre votre femme, les mêmes fidèles sont les mêmes qui ont dit il a dû sacrifier sa femme pour avoir la gloire. Les mêmes fidèles. C'est les mêmes fidèles qui vont aller s'asseoir avec vos amis pour dire est-ce que ce n'est pas le prix à payer de sa gloire? Est-ce qu'ils n'ont pas pris sa femme dans leur loge? Ils vont te décapiter. Ils vont te broyer. Et tu te retrouveras tout seul. Tu peux perdre un enfant. Mais perdre sa femme.
Tu peux perdre ton père. Tu peux perdre ta mère. Ça n'a pas la même douleur que perdre sa femme. Je vous dis ça ici. Moi, j'ai perdu un enfant. J'ai perdu un enfant. Ça n'a pas la même douleur que de perdre ta femme. Ta femme. Ta femme. On n'a pas d'une copine. Surtout quand tu aimes cette femme, quand tu es amoureux de cette femme, on te dit qu'elle est partie. Tu ne vas plus causer avec elle, tu ne vas plus la voir, tu ne pourras plus rire avec elle. Quand tu es énervé, celle qui vient te consoler, quand tu n'as pas. Celle-là qui vient, quand tu es malade, celle qui s'occupe de toi, la seule qui te connaît vraiment. Même tes enfants ne te connaissent pas vraiment. Parce qu'il y a une partie de ta vie que les enfants ne savent pas. Tu caches ça à tes enfants, mais ta femme sait tout de toi. Elle te connaît. Et un matin, de façon brusque, on dit crise cardiaque. C'est-à-dire que tu es là, et puis ta femme pique une crise, et puis elle s'en va. Tu es là, tu es impuissant. Et tu ne sais pas comment tu vas expliquer ça à tes enfants. Et ce qui est encore méchant, c'est quand ta belle famille ne veut pas te comprendre, et puis viennent encore t'accuser. Ça là, ça te détruit. Tu ne t'en remets pas. Tu ne t'en remets plus. Pasteur Massulo, Yako, même s'il dénonçait certaines choses, ce n'est pas dans sa faiblesse où il a perdu sa femme que les gens vont se lever pour faire un règlement de compte. Dans le cas contraire, ils vont nous trouver sur le chemin. La femme du pasteur Marcelo n'est pas morte. La femme du pasteur Marcelo a rejoint le Seigneur. Elle est allée dans un monde où il n'y a plus de pleurs. C'est la seule consolation qu'on a. La seule chose qui nous permet d'être concentrés, d'être consolés. La seule chose, c'est l'espoir de nous revoir un jour au paradis. C'est tout. Parce que ceux qui ont perdu leur femme n'ont pas perdu leur femme dans les mêmes conditions que toi. Toi, tu perds ta femme, mais on t'accuse, on bloque son corps, ta belle famille t'accuse, et on voit tous tes fidèles, on remonte tous tes fidèles contre toi, pour que demain tes enfants puissent être seuls. Donc, quand je vois aujourd'hui des gens qui disent, ah, vraiment, général, moi je te suivais avant, je suis fier de voir Kimi aujourd'hui qui a grandi, Kimi aujourd'hui qui fait les affaires, je suis fier, je me pose la question de leur dire, quand elle était seule, pendant 3 ans, à pleurer sa mère, vous n'étiez pas là. C'est moi seul qui était là. C'est moi seul qui était là. Seul, il n'y a pas quelqu'un, il était seul. Il y avait 1000 familles, 1000 parents, 1000 personnes, j'étais seul. Ça va aller. Quand tes enfants seuls viennent et puis te disent, papa, on n'arrive pas à dormir, on veut dormir à côté de toi. Tu dors avec tes enfants. Mais quand tu veux pleurer, tu fais comme si tu vas aux toilettes, tu vois, tu pleures, tu allumes le robinet, tu pleures jusqu'à après, tu laves ton visage, tu souffles ton visage pour ne pas qu'on sente que tu as pleuré et tu viens t'asseoir. Les enfants, ça va. Maman est au ciel, acclamons le Seigneur parce que maman est au paradis. Et tes enfants mettent ça dans leur tête. Maman est au paradis. Un jour, on va la voir. Mais toi, qui vient te consoler? Personne. Qui vient remonter ton moral? Personne. Tu dois être un lion, pasteur Massero. Tu dois être un guerrier, pasteur Massero. Tu dois être un lion. C'est à cet exemple précis que tu dois t'asseoir, conserver tes larmes, simple. On n'a plus rien à ajouter. Il n'y a que ceux qui ont déjà traversé ces moments qui peuvent vraiment comprendre ce qui arrive au pasteur Massero. Pasteur Massulo, beaucoup de courage. Et maman Blanche, que ton âme repose en paix. Tu t'es juste avancé, c'est le chemin de tout le monde.